Immobile dans ses cheveux et qu'on le prenait pour un bijou. Voilà, mieux que le quartier ou le monde simple qui avait
Vous avez ici le portrait par Lada et puis aussi une gravure. Personnellement, je préfère la gravure parce que c'est moins précis, c'est plus flou, ça nous laisse imaginer plus de choses. On a commencé donc par deux mélodies sur des textes de Théophile Gautier, la belle cette dite, la jeune belle, vous voulez vous aller, et puis cette chinoiserie. Ce poème est très important parce qu'il reflète l'univers de Gautier qui s'intéresse beaucoup à l'Occident, à l'Orient, pardon. La deuxième mélodie chinoiserie qu'on vous a chantée a été mise en musique par Anatole Lyonnais. Alors on a choisi. Donc elle a été mise en musique par Anatole Lyonnais. C'est le deuxième, celui qui est derrière, en fait, deux frères jumeaux. Et on a choisi cette mélodie parce qu'elle est tout à fait représentative de ce qu'on entendait dans les salons dans les années 1840-1850. C'était comme ça que Gautier entendait sa ses poèmes mis en musique, donc par les frères Lyonnais. Et voici la couverture de la partition. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Théophile Gautier, ça rappelle beaucoup une très jolie nouvelle, un conte charmant qui s'appelle Le Pavillon sur l'eau. On y retrouve beaucoup des choses. Maintenant, ceux qui connaissent bien la Chine trouvent que c'est une Chine un peu Second Empire, plutôt que chinoise, bien sûr. Et voici la famille Gautier en entier. Donc, Théophile le fils, Théophile le père, Ernesta Grisi, la mère, et puis les deux filles, Estelle et Judith. Alors, Estelle a 3 ans de moins que Judith. Voici les deux sœurs en grande tenue de l'époque. Et puis, voici les deux sœurs qui entourent leur professeur de chinois. Gautier croise dans la rue un certain Tin Tun Lin qui est à Paris et qui est un peu perdu. Et Gautier, grande âme, l'accueille à sa table, à lui, dans leur maison. Et ce professeur va marquer Judith, absolument. Parce que c'est elle, c'est par elle, par lui qu'elle va apprendre le chinois, qu'elle va apprendre quelques mots. Et se passionner tellement pour la Chine qu'elle va publier son premier livre, le livre de Jade, qui ne sont que des poèmes chinois traduits. Alors aujourd'hui, on dirait plutôt adaptés de poèmes chinois, donc par Judith Gautier. Voici le portrait de ce chinois qui faisait évidemment fureur dans les rues de Paris avec sa longue natte et son petit chapeau. Et voici la couverture de la première mise en musique de Judith Gautier. Alors vous allez me dire, on ne voit pas Judith Gautier. En effet, je ne sais pas si on arrive à lire, on voit Judith Walter. Parce que Judith Gautier a 20 ans à publier son premier article pour remplacer son papa qui ne pouvait pas faire sa critique. Et du coup, il ne pouvait pas signer Judith Gautier, donc il lui a proposé la traduction de Gautier, c'est-à-dire Walter. Et donc le livre de Jade est paru sous le nom de Judith Walter. Et voici une des premières mises en musique de ces fameux poèmes de Jade. Et c'est une musique qui a été faite par Gabriel Fabre. Alors on navigue un petit peu, on a choisi plusieurs versions et on a choisi celle-ci. Gabriel Fabre était à son époque très connu. C'était le pianiste de Georgette Leblanc. Et Georgette Leblanc, c'était la fameuse Mélisande de Maeterlinck. Et du coup, c'est Gabriel Fabre qui a écrit les premières chansons pour la pièce de théâtre. Mais un peu plus tard, en 1905, il a donc écrit 10 poèmes de Jade, dont on a choisi pour vous faire entendre ce soir. Le vent m'apporta le son d'une flûte.
bien sûr, c'est la Chine, c'est le Japon. Et donc, Judith Gautier a ce costume incroyable avec cet instrument de musique qu'on ne peut pas empêcher de faire du bruit qui sonne tout le temps. Voici donc une jolie caricature de Judith Gautier qui incarne la Chine. Voici une musique de Judith Gautier. On n'a pas retenu cette partition. En fait, Judith Gautier a connu tous les poètes de l'époque, évidemment, en commençant par le romantisme, son papa, mais aussi avec, après, le Parnasse. Elle était très amie avec Villiers de l'Isle-Adam, qui a été d'ailleurs fiancé à un grand moment à Estelle, et qui finalement a renoncé, mais aussi avec le comte de Lille, mais aussi avec Catulle Mendès. Alors cette fois-ci, on a choisi trois poètes, mais un seul compositeur, Gabriel Fauré, et vous allez entendre successivement donc Nel, le comte de Lille, et puis après vous entendrez donc Les Présents par Villiers de l'Isle-Adam et Fauré toujours, et puis pour terminer Dans la forêt de septembre de Catulle Mendès. Oh.
Le beau Cathy Brandes. Fervent wagnérien de la première heure, il tombe fou amoureux de Judith Gauthier. Il vient souvent chez eux à Neuilly et Judith et Cathy jouent du Katma, ils jouent les transcriptions de Luther. Judith tombe amoureuse, elle épouse Cathy Brandes. Poète littéraire, critique littéraire, il a fait beaucoup de pièces de théâtre, il a fait beaucoup de livrets d'opéra aussi pour des grands auteurs, Chassant, Chabrier. Et puis, on a choisi aujourd'hui pour vous faire entendre sa poésie un cycle d'un compositeur moins connu qui s'appelle Paderewski. Alors, moins connu, non, parce que Paderewski est très connu comme pianiste, bien sûr, mais il a écrit un certain nombre de partitions, une quarantaine de plus, intéressant. Et on a choisi donc deux mélodies d'un cycle de 10 mélodies. Alors, pour la petite histoire, Paderewski est très connu comme pianiste, mais il a été aussi le premier chef d'État de Pologne en 1919. Et lorsqu'il s'est trouvé à la table à Versailles du Congrès, Clémenceau a dit « Comment Paderewski, le pianiste ?» Et on lui dit « Oui ». Et il répond « Quelle déchéance !» Voici donc ce cahier de 12 mélodies sur des textes de Cathy Brandes. On en a retenu deux, « Naguère » et puis la deuxième. Elle marche d'un pas distrait. On a retenu celle-ci parce qu'on peut penser que c'est un portrait de Judith Gauthier. Thank you.
peu de personnes étaient admises. Richard Wagner était en exil à côté de Zurich, à Trimschen, au Canada. Et bien sûr, Richard Wagner, très beau, va adorer Judith Gautier, il va même tomber amoureux d'elle. On dit qu'il a prénommé sa chaise longue dans son jardin Judith. Et il va lui dédicacer un certain nombre d'ouvrages. Voici par exemple une partition, la partition de Siegfried, qui était dans la bibliothèque de Judith Gautier et qui est dédicacée à Judith et Catulle, à ce moment-là, bien sûr. Il faut savoir que Judith Gautier avait dans sa maison une corbeille d'autographes, qui était couverte d'un voile, et de temps en temps on soulevait le voile, et puis on regardait un peu ce qu'il y avait dedans. Il y avait Victor Hugo, il y avait Mallarmé, il y avait Wagner, bien sûr. Voici un autre autographe. Alors Judith Gautier ne s'est pas contentée d'être admirée, elle a travaillé pour Richard Wagner aussi, puisqu'elle a fait deux traductions de Parsifal, notamment, qu'elle a même mise en scène. C'est la première représentation de Parsifal en France. C'était dans le petit théâtre de marionnettes de Judith Gautier, où tous les artistes collaboraient pour donner une représentation devant un public très choisi, bien sûr. On a retenu deux partitions de Richard Wagner. La première, c'est Attente, parce que le poème est de Victor Hugo et que Judith Gautier a très bien connu Victor Hugo. Il lui a même dédié un de ses très rares sonnets qui s'appelle Ave Dea, bonjour déesse. Et puis, une deuxième qui est les donc une autre amoureuse très célèbre de Richard Wagner, bien sûr, qu'on a retenu Treuve, rêve. Et puis tout ça dans le décor de Philippe Chaperon, tel qu'il a été fait à l'Opéra de Paris pour Tannhäuser, les premières représentations de Tannhäuser. Voici donc Attente et Träume de Richard Wagner.
Japon. C'est un décor pour une pièce de théâtre de Judith Gautier qui s'appelle La Marchande de Souriers, qui a été créée à l'Odéon en 1888. Et donc ce décor est resté dans les cartons de la bibliothèque de l'Opéra. Je remercie beaucoup le directeur de nous avoir permis de photographier ces décors qui sont complètement inédits. Donc voilà, la lumière est très particulière, toujours très bien organisée. Et puis on est en plein Japon. Voici la liste des personnages de La Marchande de Souriers. Voici un décor tel que le reprend la critique. La critique a beaucoup relevé le rideau du théâtre à cette soirée. Judith était très fière parce que la pièce de théâtre a connu plus de 100 représentations, ce qui pour l'époque est vraiment très important. Voici un costume japonais, et puis voici d'autres éléments de décor. Alors tout ça, ça semble évidemment. Et puis voici un très beau Bouddha. Alors ils ont été peints par un peintre qui s'appelle Yamamoto. Et Yamamoto est celui qui a décoré la villa de Judith Gautier. J'ai oublié d'en parler à propos de Wagner, mais Judith Gautier a donc habité à Paris, bien sûr, et Washington, mais aussi à côté de Dinard, à Saint-Enogat, où elle avait une maison, et cette maison s'appelait le Pré aux oiseaux. Alors le Pré aux oiseaux, c'est la traduction en fait de Vogelweiser, c'est-à-dire le nom de Walter von der Vogelweiser, le personnage héroïque des maîtres chanteurs de Wagner. Donc tout se tient. Et puis voici un dernier paravent très joli japonais avec des cigognes de La Marchande de Souriers. Je vous propose d'entendre un compositeur qui a été un grand ami, qui a beaucoup compté pour Judith Gautier. Il s'agit de Bénédictus. Lui, Bénédictus, on sait peu de choses sur lui, malheureusement. Il est évidemment dans le mouvement Wagner, puisqu'il a organisé avec Judith 6 concerts dans les ateliers de Nadar, avec 4 pianos et quelques chanteurs, et ils essayaient de donner des représentations de Wagner pour le faire aimer au public italien. Mais Bénédictus a composé également quelques mélodies sur des paroles de Théophile Gautier, dont celle que vous allez entendre maintenant, Sombre et Lesperon. Et juste après, on vous fera entendre une chanson de La Marchande de Souriers.
pièce que je ne connais pas, que je viens de découvrir. Et puis aussi, évidemment, Judith Gauthier s'intéresse beaucoup à la musique. J'ai dit qu'elle jouait elle-même du piano, elle avait un piano chez elle, on le verra tout à l'heure. Et elle a écrit un livret d'opéra qui s'appelle La Sonate au clair de lune. C'est un peu kitsch quand même, avec ce dessin comme ça, qui est une vision de Beethoven très particulière. Mais Judith Gauthier s'intéresse aussi au ballet russe. Voici un exemple avec Le Spectre de la Rose, on a parlé de Berlioz, avec Zakhar Sabina et Nijinsky juste derrière, donc elle a écrit l'article qui commente la soirée. Et puis arrivent ces musiques bizarres. Alors, Paris est évidemment très connu pour ses expositions universelles. La première, enfin pas la première, mais une des très importantes, c'est 1889, avec l'érection de la Tour Eiffel. Et tous ces musiciens qui viennent d'un peu tous ces pays, de ces contrées exotiques, et que Bénédictus a pris la peine d'entendre, et non seulement d'entendre, mais de noter. Il a noté toutes les parties, il les a publiées en faisant les musiques bizarres. Et puis entre-temps, il a rencontré Judith, et ils ont pensé que c'était encore plus intéressant si, avec la musique, on mettait le texte, on racontait ce qui se passait. Donc Judith Gauthier a écrit un certain nombre d'articles sur la musique chinoise, japonaise, égyptienne, bien sûr, et ils ont été publiés avec les musiques de, alors non pas de Bénédictus, mais notées par Bénédictus. Les enregistrements n'existaient pas à l'époque, évidemment, donc on ne pouvait qu'entendre et essayer de retranscrire le plus vite possible. Et puis Judith Gauthier s'intéressait toujours à la Chine, on dit qu'elle a appris le chinois, qu'elle le parlait, qu'elle l'écrivait. Et voici donc la musique balinaise. Alors on va s'attarder un petit peu sur cette musique balinaise, d'une part en vous faisant entendre un extrait de l'article que Judith Gauthier a écrit dans ce petit cahier, ça va vous permettre d'entendre, de goûter cette prose merveilleuse, très inspirée, très libre, très imaginative. Et juste après, je vous jouerai le gamelan baliné transcrit par Bénédictus. Et encore juste après, je vous jouerai Pagode de Debussy. Debussy était très ami avec Judith Gauthier, il est allé plusieurs fois dans cette maison de Saint-Avogat, des Prés aux Oiseaux, et évidemment, on peut penser qu'il était fou, amoureux évidemment de cette musique balinaise, qui l'a inspiré pour Pagode, et on peut penser qu'ils ont tous discuté, étudié tout ça ensemble. Donc voici le texte de Judith Gauthier sur la musique balinaise, la musique retranscrite telle qu'on pouvait l'entendre en 1900 à l'exposition universelle, et puis Pagode de Debussy. Les danseuses javanaises et le gamelan Gudjin. À la dernière exposition universelle, en 1889, toute la ville fut véritablement éprise des danseuses javanaises, de ces hiératiques bayadères échappées du harem, dont le sultan de Yogyakarta avait bien voulu entrebâiller la porte, et qui évoluaient, mystérieuses et graves, dans cette cité clôturée de paille, édifiée par la Hollande. Le tout Paris artiste surtout ne se lassait pas du spectacle. On se retrouvait au Kampong javanais presque chaque jour. Et on se saluait avec des sourires complices. On se serrait pour ajouter des places autour des petites tables où la mousse des boxes fanait, où des sorbets fondaient sous les cuillères distraites. Et à n'en plus finir, on écoutait l'insaisissable musique. On contemplait les étranges jeunes filles frottées de safran. La danse mystique, ensorcelante, qui finissait par engourdir comme des passes magnétiques. Elle berçait l'esprit dans des voiles de rêve, traversées parfois comme de confuses réminiscences d'une vie antérieure, poignante, presque douloureuse à force d'être fugitive. Aussi, de tous les chefs-d'œuvre, de toutes les merveilles qui illustrèrent l'exposition dernière, ce que le souvenir avec l'illogisme de la passion a gardé le plus fidèlement, c'est la vision bizarre et séduisante de ces frêles danseuses. Chacun y repense avec un peu de l'alanguissement que cause un regret d'amour. C'est la fleur grisante au parfum tenace, conservée entre les feuillets de la mémoire, le fragile pétale qui survit seul au splendide été. Sur la scène coquette, les instruments de l'orchestre sont rangés. Cet orchestre, très bizarre pour nous, est extrêmement intéressant. C'est dans l'Hindoustan et en Chine surtout, qu'il faut chercher l'origine des instruments qui le composent et de la musique qu'il joue, musique traditionnelle, qui a son point de départ dans de fabuleux lointains. Il y a plusieurs sortes de gamelans différemment composés. Gamelan signifie orchestre ou plutôt exécution musicale.
Celui qui est devant nous, le gamelan Gudjin, a cela de particulier qu'il ne contient ni instrument avant ni instrument à cordes, sauf un ribab, sorte de violon à deux cordes, d'origine arabe, et qui est là comme en fraude. Le gamelan est ainsi composé. Les exécutants, de jeunes hommes au teint brun, serrés dans des vêtements blancs, s'accroupissent près de leurs instruments et le gamelan commence. Il est inutile d'essayer de le décrire, puisqu'il est noté ici et rendu en perfection. Monsieur Bénédictus, qui déjà en 1889 publia avec un si grand succès le premier recueil des musiques bizarres, a réalisé ce tour de force de saisir au vol l'insaisissable musique qui n'est jamais écrite, de la fixer et d'en rendre à merveille le charme enveloppant, l'harmonie cristalline et comme mouillée. Il faut faire remarquer seulement que cette musique, dont l'origine se perd dans le lointain des siècles, semble obéir à des lois strictes et compliquées. Chose des plus curieuses, les entrées de thèmes se font d'après les règles de notre contrepoint. La combinaison et la gradation des différents timbres sont très délicates et très ingénieuses. L'effet produit est des plus harmonieux. Thank you.
qui adorait la peinture. On a pu montrer ça un petit peu avec, par exemple, cette Orphée de Gustave Moreau. Les tout premiers articles qu'elle a écrits dans les années 60 étaient lorsqu'elle remplaçait son père auprès du salon de peinture. Et donc, elle a vu les tableaux de Gustave Moreau. Et on a une petite correspondance entre eux. J'ai voulu également vous montrer ce tableau. Alors, tout à l'heure, c'était Sappho, pardon, juste avant. C'était Sappho, mais voici Orphée cette fois-ci. Et par Puvis de Chavannes. C'est un tableau qui est au musée d'Orphée. Et bien sûr, c'est marqué à Julien Gauthier. Puvis de Chavannes a fait beaucoup de décors pour les petites pièces de théâtre, les représentations qui avaient lieu dans la maison de Théophile et Ernesta. Et puis, voici un autre peintre formidable qui est tombé fou amoureux quand il avait 27 ans de Julien Gauthier, John Singer Sargent, qui a peint un certain nombre de portraits. Celui-ci, avec le coup de vent sur les dunes, bien sûr. Celui-ci qui est à Saint-Élogade, pardon, aussi dans la propriété voisine. Et puis ce très beau Labis. Et peut-être ce portrait pour finir de Julie Gauthier en pied dans son salon de Washington, entourée par les objets japonais qu'elle aime, à côté de son piano. On va vous chanter deux mélodies pour terminer. On va revenir au livre de Jade, avec Au bord du petit lac. C'est une compositrice qu'on était très heureux de découvrir. Le fait évidemment d'explorer la poésie de Julie Gauthier nous permet de découvrir des tas de compositeurs dont on ignore à peu près tout maintenant. Et donc voici Marc Angot-Bracon, une élève de Louis Vierne, qui est mort dans les années 70 et qui a composé ses mélodies dans les années 20. Et puis pour finir, une très belle barcarolle. On a commencé par une barcarolle, on a terminé par une barcarolle, et qui incarne bien la vie de Julie Gauthier, l'idéal de Julie Gauthier, c'est ce rêve